énergies. C'est notre devoir de les technologies sont là, c'est à nous de nous les approprier pour les utiliser. Pourquoi attendons-nous de l'Europe que l'Europe nous envoie l'énergie, l'Europe même a ses problèmes énergétiques? Ça, c'est la première question. La deuxième question que je voulais poser, que fait ces plateformes, la plateforme ici en Autriche, celle en France, pour que l'Afrique reconnaisse les compétences des membres de la diaspora? Parce que le plus souvent, j'ai l'impression qu'on bombarde l'Europe, alors que nos propres frères ne nous reconnaissent même pas nos compétences. Avant que l'Europe les reconnaisse, nous, nos compétences et nos capacités, il faut que l'Afrique reconnaisse même qu'on a ses capacités. Le plus souvent, moi je suis ingénieur, vous donnez un avis en Afrique pour dire tel problème ne fonctionne pas, on va venir prendre quelqu'un qui est en Europe, qui a moins de qualifications que vous, et il est écouté, et quand ça ne marche pas, on dit ça ne marche pas. Donc, que faites-nous pour que les Africains eux-mêmes reconnaissent nos capacités? Tant qu'eux ne le reconnaîtront pas, nous ne demanderons pas à l'Europe de faire quelque chose que nous-mêmes ne voulons pas faire. Ça sera une question. Merci beaucoup. We would like to give the opportunity to our panelists to react to the three questions or to